Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Walid Arbdhaïfa pour un nouveau cours en sciences économiques destiné aux élèves de baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier chapitre de notre programme, la croissance économique. Plus précisément, la deuxième section de ce chapitre, l'irrégularité de la croissance économique. Nous allons nous poser un certain nombre de questions, notamment la croissance économique est-elle Régulière ou au contraire, elle est irrégulière. De même, nous allons essayer de tenter de répondre à la question suivante qu'est-ce qu'un cycle économique et quelles sont ses composantes Ce qui revient à dire qu'à la fin de cette séance, j'espère que vous allez être capable de constater à partir d'exemples le caractère irrégulier de la croissance. Également, vous devez être capable de représenter et d'interpréter les différentes phases d'un cycle économique. Bien, en guise d'introduction, je reprends une définition que vous avez vue euh, dans la première section la croissance économique. Qu'est-ce que la croissance économique La croissance économique est l'augmentation durable des grandeurs économiques accompagnée de transformations ou de changements des structures économiques. On se pose donc la question sur le long terme est-ce que la croissance économique est régulière La croissance économique est-elle régulière Pour cela, nous allons euh, commencer donc, euh, cette section par étudier la notion de fluctuation économique. Ensuite, nous allons voir euh, un peu plus tard donc, la notion de cycle économique. On démarre par l'activité numéro 1A, l'évolution du PIB euh, réel, donc, nous avons un certain nombre de données, donc les données fournies par la Banque centrale de Tunisie concernant la croissance économique en termes réels durant la période 2010 jusqu'à 2016. Nous disposons donc de deux questions. La première question, représenter graphiquement les données du tableau. Ensuite, que remarquez-vous quant à l'évolution du PIB tunisien durant cette période Bien. Pour la première question, c'est une question importante qui est relativement accessible aux élèves. Et donc, euh, je vous invite à vous concentrer sur les modalités euh, de réponse. La représentation graphique, elle est basée surtout sur l'utilisation d'un repère. Dans notre cas, ici, on étudie le taux de croissance annuel du PIB réel. Donc, quand on, positionne, il faut quand on positionne le repère, il faut choisir l'axe d'abscisse, qu'est-ce qu'on mettra donc en axe d'abscisse et qu'est-ce qu'on mettra en, en axe d'ordonnée. Il est préférable, pour nous, donc, lorsqu'on étudie euh, ce type de variable dans le temps, de mettre en abscisse l'axe du temps et en ordonnée L'axe euh, donc euh, la variable étudiée qui est la, le taux de croissance annuel. Donc nous allons avoir un repère qui ressemble à cette forme-là. La suite certainement vous la connaissez. Il faut positionner les points donc à partir du tableau et euh, la suite donc c'est il faut euh, relier les points pour obtenir une courbe qui a cette allure. On passe maintenant à la deuxième question. Que remarquez-vous quant à l'évolution du PIB réel, donc de l'évolution du PIB tunisien durant cette période Ici, il est important de faire attention à la consigne posée donc, à chaque question. Puisque euh, ici on nous demande que remarquez-vous Donc il faut dresser les différentes remarques concernant cette courbe-là. Bien, pour commencer, tout d'abord, on a une, va une valeur négative. On la voit ici donc au tableau. Également, nous avons une allure de la courbe qui n'est pas stable. Donc le taux de croissance annuel du PIB en Tunisie est marqué par une instabilité puisqu'on a des phases ascendantes et des phases descendantes. Quand on regarde bien, nous avons une phase descendante en 2011, également une autre euh, en 2013, 2014, 2015. Et nous avons également en 2016 une phase croissante. En, 2000, en, en, 2012, pardon, donc en 2012, nous avons une phase croissante. Donc au final on va pouvoir dire que les remarques suivantes, qui s'affichent au tableau maintenant, l'allure de la courbe qui représente le taux de croissance annuel du PIB réel tunisien, met en évidence l'instabilité de la croissance économique. C'est un phénomène instable. On ne peut pas le représenter par une droite, en d'autres termes. Entre 2010 et 2016, on remarque que la courbe est décroissante en 2011, 2013 euh, jusqu'à 2015, elle est croissante pour 2012-2016, la courbe n'a pas le même sens de variation, également la courbe comporte des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc, on peut dire, on peut affirmer que la croissance économique n'est pas linéaire. Au contraire, elle se caractérise par des mouvements à la hausse et des mouvements à la baisse. Passons maintenant à l'activité suivante, l'activité numéro 1B. Nous disposons d'une définition fournie par le dictionnaire d'économie et des sciences sociales. C'est la définition de fluctuation, irrégularité de l'évolution des grandeurs économiques, production, prix, emploi, revenus, investissement au cours du temps. Le terme fluctuation suggère des mouvements alternés, ascendants et descendants. Ces mouvements affectent aussi bien le court terme, donc ce sont des évolutions conjoncturelles, que le moyen et long terme. Quand les, les fluctuations de la croissance obéissent à une certaine régularité, la régularité ici sous-entend la périodicité des phases ascendantes et descendantes. Il s'agit alors de cycles économiques. Nous devons répondre à la question qui s'affiche, qu'appelle-t-on fluctuation économique Pour répondre à cette question, comme on a pris toujours l'habitude, eh on commence par souligner les termes clés qui se trouvent dans notre texte. Donc, je répète encore une fois, pour les élèves de baccalauréat, il est très important... Avant de répondre, de prendre le temps de relire le texte et de souligner les passages les plus importants qui peuvent contribuer à la constitution de notre réponse. Donc pour notre euh, support maintenant de cours qu'on voit maintenant à l'écran, j'ai commencé par souligner donc la, euh, le premier terme ⁇ irrégularité ⁇ puisque euh, la, les fluctuations sont une forme d'irrégularité. Également, j'ai souligné mouvements alternés. Quand on dit alterné, on sous-entend. Là, en l'occurrence, on a des mouvements alternés ascendant et descendant. Ça veut dire qu'on a des mouvements qui vont à la hausse, d'autres mouvements qui suivent qui vont à la baisse. Et ça recommence à nouveau. Donc on a une alternance entre les mouvements à la hausse et les mouvements à la baisse. On continue donc. J'ai souligné également le terme régularité. C'est la périodicité des phases ascendantes et des phases descendantes. Je vous propose donc la définition suivante. Les fluctuations économiques sont les mouvements qui peuvent affecter l'activité économique. Ils se manifestent à travers l'évolution de l'activité économique à différents rythmes. Parfois, le rythme s'accélère. Quand le, le rythme s'accélère, on parle des mouvements ascendants. La courbe, en l'occurrence, tout à l'heure, elle est croissante à ce moment-là. En d'autres moments, il ralentit. Il, on sous-entend, le rythme. C'est un mouvement, ça se traduit par un mouvement à la baisse. Et il peut changer de sens de variation. Graphiquement, les fluctuations économiques sont représentées par l'évolution. Du taux de croissance annuel du PIB réel au cours du temps. Maintenant qu'on a vu les fluctuations, si ces fluctuations qui se traduisent par des mouvements ascendants et des mouvements descendants se répètent, se répètent en boucle plusieurs fois, avec plus ou moins la même périodicité, eh bien, nous allons parler à ce moment-là de cycle économique. Qu'est-ce qu'un cycle économique Nous démarrons donc euh, cette partie par l'activité 4, page 27, morphologie d'un cycle. Cette activité figure sur votre, sur votre manuel scolaire. Donc, on se limite, en ce qui nous concerne pour cette partie, au premier paragraphe uniquement. Des périodes de récession succèdent aux périodes d'expansion. L'économie subit des fluctuations. Souvent, ces périodes se succèdent avec une certaine régularité. Bien qu'il existe des différences importantes d'un cycle à l'autre, il est possible de caractériser les différentes phases que l'on rencontre dans tous les cycles. Qu'est-ce qu'un cycle économique On commence, comme on l'a dit tout à l'heure, par souligner les termes les plus importants, les termes qui vont constituer notre réponse par la suite. Donc, fluctuation, ensuite des périodes, ces périodes qui se succèdent avec une certaine régularité, donc il faut qu'on retrouve dans la définition les termes régularité, l'aspect régulier, plus ou moins. Également, caractériser, donc il est possible de caractériser les différentes phases que l'on rencontre dans tous les cycles. Eh bien, c'est tout l'intérêt de l'étude euh, d'un cycle économique. C'est de pouvoir déterminer par la suite, à la suite d'une phase ascendante, qu'il va y avoir par la suite une phase décroissante ou une phase descendante. Donc, ça va nous aider certainement à euh, développer nos prévisions par la suite. Donc, la définition d'un cycle économique, un cycle économique est une succession plus ou moins régulière de mouvements ascendants et descendants de la croissance économique pendant une période plus ou moins longue. Il est de ce fait un phénomène répétitif caractérisé par une certaine périodicité. Maintenant, de quoi se compose un cycle économique on continue toujours avec l'activité 4, la suite de l'activité 4, page 27 de notre manuel scolaire. On parle de reprise lorsque le creux est franchi. On dit aussi que le point de retournement inférieur est dépassé. La reprise est prolongée par l'expansion. Dans la reprise, la consommation redémarre. La production s'accroît. On utilise le capital inemployé et on commence à embaucher les travailleurs. On remplace les machines usagées, on investit, les banques commencent à prêter, etc. On parle d'un sommet quand le taux d'utilisation de la capacité de production tend vers son maximum. Les entreprises doivent emprunter pour augmenter leur capacité de production. Le taux d'intérêt augmente, les prix augmentent. Les revendications salari salariales se multiplient. Elles seront répercutées sur les prix. Quand la hausse des prix se généralise, on parle d'inflation. À partir du point de retournement supérieur, l'économie bascule dans la récession. La consommation et la production commencent à fléchir. Les investissements réalisés se révèlent insuffisamment rentables. Les taux d'intérêt se révèle trop élevé, les faillites deviennent courantes, etc. C'est la récession. Si la situation économique est particulièrement mauvaise, on parle de dépression. Celle-ci est caractérisée par un taux de chômage très élevé. Les profits sont faibles et se transforment en pertes. Les faillites sont nombreuses, les investissements chutent, la production diminue. À côté de ce texte, nous disposons également d'un graphique que vous avez dans votre manuel. C'est le graphique suivant où nous avons un graphique qui nous montre les différentes phases et les points de retournement dont on parle dans le texte. On passe à la question Identifier chacune des différentes phases d'un cycle Avant de commencer la réponse à cette question, je veux rebondir sur le terme identifié », qui est la consigne ici. Qu'est-ce qu'on attend de nous Qu'est-ce qu'on qu qu attend de l'élève lorsqu'on lui pose la question identifié » Vous disposez également à côté de ce texte un graphique explicatif qui nous explique donc les différentes phases euh, d'un cycle économique. On regarde bien donc la question. Identifier chacune des différentes phases d'un cycle. Avant de commencer la réponse, j'attire l'attention des élèves que euh, la consigne identifiée elle est euh, différente de la consigne définir, puisque dans euh, cette consigne identifiée, nous avons à faire donc, une définition, tout d'abord, ensuite fournir la définition et euh, en plus rajouter donc, les différentes caractéristiques des différentes euh, phases du cycle. On continue donc comme d'habitude par souligner les différents euh, termes qui vont nous servir pour euh, constituer notre réponse reprise également le terme expansion donc c'est la phase d'expansion également on parle d'un sommet le sommet à partir duquel nous avons euh, donc la courbe qui change de sens de variation également nous avons le point de retournement euh, supérieur on parle toujours de la même chose Également, nous avons la récession et euh, en dernier on lieu, on va parler donc de la dépression. Les différentes composantes d'un cycle économique. Donc, on commence par l'expansion. Qu'est-ce que c'est la phase d'expansion La phase d'expansion est un mouvement conjoncturel, c'est une phase courte, c'est une accélération de l'activité économique caractérisée par une augmentation rapide des, grandeurs, des principales grandeurs économiques, notamment du taux de croissance, on va le voir à travers le taux de croissance du PIB réel croissant. Elle est également caractérisée par une accélération de l'investissement et une hausse de la production, de l'emploi, des prix, des revenus. Dans cette phase, on remarque bien que le taux de croissance du PIB réel est positif. Et croissant. La croissance économique, elle a une définition qui ressemble à l'expansion, mais on doit faire attention l'expansion est un mouvement, est une augmentation des richesses créées, rapides, mais de courte durée, puisqu'on l'a dit tout à l'heure dans la définition de la croissance économique. Nous avons dit qu'il s'agit d'une augmentation durable des grandeurs économiques. Ici, nous avons une augmentation plutôt conjoncturelle de courte durée et non pas structurelle. On passe à la phase, euh, au point de retournement donc, supérieur, la crise. La crise, là euh, encore je m'arrête un instant pour dire que la crise c'est un point de retournement et non pas une phase. Donc on fait attention. La crise est le point de retournement supérieur de l'activité économique qui met fin à l'expansion. Donc l'expansion se termine forcément par une crise. L'économie, par la suite, va basculer soit va, euh, vers une récession ou une dépression, dans les cas les plus graves. La crise est caractérisée par une saturation de la demande par un blocage de l'investissement qui peut affecter certaines branches motrices et se transmettre et peut se transmettre à l'ensemble de l'économie. Concernant la phase de récession. La phase de récession est une phase courte également. C'est un ralentissement de l'activité économique. Donc les grandeurs économiques ralentissent. C'est une augmentation certainement euh, des principales grandeurs économiques à un rythme moins accéléré. Elle est caractérisée par une augmentation du PIB, mais à un rythme lent. Également des revenus, de la même façon, c'est-à-dire une augmentation lente du PIB et des revenus. Elle est caractérisée par un taux de croissance annuel du PIB réel positif, mais décroissant infléchissement de la consommation et le ralentissement de l'investissement. On passe maintenant à la phase la plus grave du cycle économique, c'est la dépression. La dépression également est une phase courte, c'est la baisse de l'activité économique, c'est la baisse totale on va dire, puisque on va avoir une diminution des principales grandeurs économiques. Tout à l'heure quand on parlait... De la récession, on a dit que ça reste quand même une augmentation, même si la courbe elle est décroissante, c'est une augmentation. Mais là, quand on parle de la phase de dépression, ici nous avons une diminution des principales grandeurs économiques, notamment la production, les revenus, l'investissement, etc. C'est l'ensemble de l'économie qui se bloque. Elle est caractérisée donc par. Un taux de croissance annuel du PIB réel négatif et décroissant. La faillite de nombreuses entreprises et un taux de chômage très élevé. Si on peut dire le beau temps revient, la reprise. La reprise, c'est ce qui annonce un nouveau cycle de la dépression. On va dire que le beau temps revient. On va parler de la reprise. C'est le point de retournement inférieur de l'activité économique. On va parler maintenant de la reprise. C'est le beau temps qui revient. Nous avons le point de retournement inférieur de l'activité économique. C'est un nouveau cycle qui démarre. On va avoir une augmentation des revenus, une augmentation de la production, de l'investissement, etc. C'est le redémarrage de la consommation également. On va avoir un chômage qui va baisser par la suite. On passe maintenant à la notion de cycle économique. Nous allons euh, commencer maintenant avec l'activité numéro 1A en vous référant à l'activité 1A, l'évolution du PIB en volume. Nous avons un certain nombre donc, euh, des données statistiques concernant la croissance économique en termes réels en Tunisie. Nous avons ici trois questions. Donner la signification des valeurs. Souligné, ensuite repérer les différentes phases de la croissance économique. Également, la hausse du PIB correspond-elle toujours à une expansion économique Donner la signification des valeurs soulignées. Pour cette question, il suffit que l'élève présente la grandeur étudiée, qui est ici le taux de croissance annuel du PIB réel, de donner le cadre spatio-temporel. Qui résume donc euh, dans quel pays se passe exactement ou euh, dans quelle période également et de donner l'évolution. C'est ce qui est demandé ici. Certains élèves seront tentés de proposer une réponse de cet ordre-là, qui, qui est comme celle qui s'affiche au tableau 2,4% est le taux de croissance du PIB réel en Tunisie. Cette réponse, elle n'est pas acceptée. Pourquoi Parce que tout simplement, cette réponse ne souligne pas l'évolution, n'explique pas que, de quelle évolution il s'agit. Donc, j'invite les élèves, par exemple pour la valeur de 1,9%, de faire donc une, formuler une réponse qui ressemble à cette réponse-là. En 2011, le PIB réel a baissé de 1,9%. Ou également pour 2013, le PIB réel tunisien a augmenté de 2,4%. En 2013, je précise encore une fois, l'ordre n'est pas important. On aurait pu commencer par dire en 2013, le PIB tunisien a augmenté de 2,4%. C'est aussi accepté. On passe à la deuxième question, repérer les différentes phases de la croissance économique. Nous avons donc déjà dressé la courbe. On va commencer d'abord par... Souligner quelles sont les phases ascendantes, quelles sont les phases descendantes et le signe du taux de croissance annuel du PIB réel. Donc, là où figure la flèche en rouge ici au tableau, donc vous voyez bien que le taux de croissance annuel du PIB réel il est décroissant. Il aboutit en 2011 donc à une valeur négative. Donc on parle bien d'une phase de dépression. En 2012, par contre, nous avons une activité économique qui va partir vers la hausse. Donc, c'est une phase d'expansion, puisque le taux de croissance annuel du PIB réel, il est croissant et positif. Il atteint la valeur de 3,9%. Pour les années 2013, 2014 et 2015, nous avons un taux de croissance annuel du PIB réel décroissant. Mais il reste toujours positif. Donc, on parle bien d'une phase de récession. Ce sont deux phases de récession. À la fin, vous avez certainement deviné que pour euh, l'année 2016, c'est une phase d'expansion. On passe à la dernière question. Repérez les différentes phases. On récapitule ici. On récapitule ici la euh, réponse. L'économie tunisienne a connu une dépression en 2011 puisque le taux de croissance annuel du PIB réel est négatif. Entre 2013 et 2015, l'économie tunisienne est marquée par une récession puisque le taux de croissance du PIB réel est positif tout en étant décroissant. Pendant les années 2012 et 2016, l'activité économique a connu une hausse rapide du taux de croissance du PIB réel. Donc il s'agit d'une expansion économique. Nous passons maintenant à la question 3. La hausse du PIB correspond-elle toujours à une expansion économique Il ne faut pas confondre la hausse du PIB avec la hausse du taux de croissance annuel du PIB réel. Puisque la hausse du PIB correspond à une expansion Économique lorsque cette hausse est accélérée. Donc lorsque le taux de croissance du PIB réel est croissant. Ici, la hausse du PIB s'accompagne par la hausse du taux de croissance du PIB réel. Donc on va dire que la croissance du PIB se fait au moment de l'expansion. Donc oui, la réponse, la hausse du PIB correspond à une phase d'expansion économique lorsque nous sommes dans une phase croissante de l'activité économique, lorsqu'on a une accélération des différentes grandeurs économiques. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la réponse. La hausse du PIB peut correspondre à une récession, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, pendant la récession, le taux de croissance annuel du PIB réel, il est décroissant, mais le PIB continue toujours à augmenter, puisque le taux de croissance du PIB réel est positif, même s'il est décroissant. Alors, à ce moment-là, l'augmentation du PIB, elle est toujours existante, mais le PIB réel, il est décroissant. Alors que cette phase correspond à une dépression. On arrive donc au terme de cette séance. J'espère que vous avez bien profité de ce qu'on vient de présenter. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne réussite.